Yo les frérots, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on va découvrir le nouveau pass de combat donc de la saison 8 chapitre 2 les frérots. La nouvelle map, je vais vous montrer la nouvelle map et vous dire ce que j'en pense. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, de me soutenir dans la boutique avec le code créateur Diablotin-du-bas-fr. Et on va regarder donc d'abord la map. On va voir si elle va changer, si elle a changé plutôt. Alors, carte, ok. Donc, ok, donc en fait elle n'a pas changé, il y a juste trois nouveaux endroits en vrai. Donc, même quatre, on va dire. Il y a ici, ces deux-là et ici. Ok, donc il n'y a rien qui a changé. Ok. Donc, on a toujours les mêmes villes, sauf qu'il y a quatre nouvelles villes. Il y a. Ah ouais, il y a Slurpee Swamp qui a changé de nom. Ok. Il y a quoi d'autre? Rittel Rose, Timmy Stacks. Craggy Cliff, pareil, Pleasant Park, Coral Castle. Ok, bon, par contre, ça c'est pas ouf. Mais après, franchement, moi je pense qu'en vrai, la map elle va jamais. Ah non, il y a un endroit ici aussi, je l'avais pas vu. Je pense pas que la map elle va changer complètement. Je pense que maintenant les maps ils vont changer à chaque chapitre. En gros, là, on est au chapitre 2, donc au chapitre 3, la map va changer complètement. Mais je pense qu'en vrai, tant que c'est le même chapitre, je pense qu'il y aura que des ajouts dans la map directement. Donc voilà, on va aller voir le pass de combat, les frérots. Alors, le pass de combat, ok. Alors, attendez, hop, on va voir. Pourquoi je peux pas voir les skins? Ah, d'accord, parce que c'est un skin du pass de combat. Ok. Alors, attendez, parce que je peux pas voir le skin. Ok. Alors, on a celui-là qui est gratuit, logiquement, si on peut le voir. En vrai, il est stylé le poids Sky. Il est stylé, on a une danse ici. Ok. Pas mal la danse. Ouais, en vrai la danse elle est vraiment bien. On a un planeur. Donc aérobaleine. Ok, stylé. Ce skin là il a l'air stylé. Bah vous savez quoi, de toute façon, je vais acheter le pass les gars. Hop. On confirme l'achat. Comme ça on va voir tous les skins. Ok, passe de combat déverrouillé. Voilà. En vrai il est stylé ce skin. Donc elle s'appelle Charlotte. Ok. Obtenir. Voilà. Donc comme ça on va bien voir tout passe de combat. Donc ici on a le poids Sky. On peut pas voir. Attendez, aussi voir la récompense. Ok. En vrai il est stylé celui-là, j'aime bien. C'est un peu comme le style le chat cartoon. Ok, on a un camouflage. Ici aussi, stylé. L'écran de chargement, il est vraiment stylé celui-là. J'aime beaucoup. Ok. Ah on a la pioche en mode katana. En mode épée antidémonique. Ok. Il est, on va, est-ce qu'on peut, ouais, on peut écouter le bruit? Ok, pas mal. On a, donc ça je pense c'est une variante, ouais, c'est une variante du skin Charlotte. En vrai, il est stylé comme ça fait un peu style manga. On a donc la pioche du poids Sky, c'est une guitare. Ok, ça c'est une traînée. On a encore une danse ici. Ok. Là, on a une autre variante de la pioche. En vrai, je l'aime bien comme ça. Là, on a un nouveau skin. Donc, corps. Ok. On va voir la récompense. Ok, pas mal. Non, en vrai, ils sont stylés les skins, par contre. Je pense que c'est un. On va voir complètement. Et après, je vous dirai ce que j'en pense, les gars. Ok, posons. Là, on a une cuillère géante en tant que pioche. Ok, donc on a la licorne qu'on a vue hier. Sur l'écran de chargement, ok, avec sa variante. Oh, stylé le planeur par contre. Ok, j'aime bien les planeurs comme ça en plus. Ok, on a corps en gris. On a un skin ici. C'est quoi ça? C'est un singe? Ou c'est un. Ah oui, c'est un Chapansky. Ok. Bon, par contre, celui-là, les gars, je pense pas qu'on. Ça va être chaud de le jouer lui. Il est énorme. Ok, on a la danse mini rover. On a. Oh, stylé le planeur par contre. Bah, il fait un peu beaucoup de bruit, mais en vrai, il fait pas mal de bruit. Mais en vrai, il est stylé. On a une pioche encore. Ça, c'est quoi? C'est un sac à dos. Ok, pas mal. On a un autre skin ici. Donc, Taurine. Ok, pas mal. On a. Oh, stylé le sabre. Ok, le camouflage juste ici. Ah, ça, c'est une variante de Taurine. Oh, c'est stylé. J'aime bien comment elle change de tenue. Ok, on a lui encore. Le camouflage est vraiment stylé. Ouais, il est vraiment bien. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Carnage. Il s'appelle le skin. Attends, on va voir. Ok, c'est un peu style Venom, mais en plus fin quoi.
Moins gros. Gros. Ok. Le planeur, vraiment bien. Pas de bruit en plus. Ça, bon, la pioche, je pense qu'on pourra l'utiliser que avec carnage. Ok, ça c'est le sac à dos. Et on a aussi de la traînée. Ok. En vrai, j'aime beaucoup ce poste de combat. Ah pas. En vrai, pour moi, là, il y a un skin qui est pas vraiment jouable, on va dire, c'est celui-là. Parce qu'il est assez gros, donc je pense pour jouer. Ah, on a aussi une dent. Ok. Pogo primate. Là, c'est quoi? C'est un sac à dos. Ok. Non, franchement, stylé. Vraiment stylé. Parce que je trouve que bah, tous les skins, on peut les jouer, clairement. Sauf peut-être le chimpanzé là. Mais sinon, vraiment stylé. On a encore une pioche ici. Donc une double pioche, un planeur encore. Non, franchement, j'aime beaucoup, les gars. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, bien sûr, ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi ce skin-là. Ce skin-là est vraiment bien. Et celui-là, bah, il est aussi bien. Ok, non, franchement, moi, je lui donne un petit 8 sur 10 pour ce poste de combat, les gars. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du poste de combat. Et à le noter sur 10, les gars. Je répondrai à tous vos commentaires. On va voir rapidement. Donc, ok, donc le poids sky, on peut le modifier. Ok. Ah ouais, d'accord, on peut. Oh, pas mal ça. On peut lui mettre des styles de skin. Ok. Et même des skins qu'on n'a pas. Là, il y a la Renegade Rider. Ok. Non, franchement, c'est stylé, ça, j'aime bien. Ok. Donc, vous pouvez en gros lui mettre un style d'un skin, quoi, tout simplement. Là, vous pouvez lui changer sa couleur. Donc, je trouve ça pas mal. Là, je sais pas ce qu'il y a. Je pense qu'il y aura d'autres skins. Je pense qu'il y aura d'autres skins qui vont bah, sortir. Dans 17 jours. Ok. Là, donc, on a le club Fortnite. Là, on a toujours. Bah, je pense que ça sera comme la saison dernière. Donc, avec des skins ou les variantes de skins en arc-en-ciel ou quoi. Mais je pense que ça sera peut-être un peu comme Superman où il y aura des skins en plus. Donc, des skins secrets. Là, ici, on a tout vu. Je vais vous montrer aussi. On a eu une variante pour Jade la Rouge, les gars. Donc, attendez. Hop. Jade la Rouge en mode démoniaque. Donc, juste là. En vrai, je la trouve vraiment stylée. J'aime beaucoup comme ça. En plus, il y a un petit style de dragon là. Alors qu'on l'a pas sur les autres. Ouais. Non, on l'a pas. Donc j'aime bien cette variante. Ah oui, d'accord, la tête de dragon, elle est derrière. Ok. Bah en vrai, pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Donc ouais, moi je vous donne un 8 sur 10 parce que je trouve ouais, tous les skins, vous pouvez les jouer. Peut-être un peu licorne et la licorne et le chimpanzé qui va être un peu compliqué à jouer. Lui, bah en fait c'est un Venom, mais en beaucoup moins gros et plus jouable. Pour ceux qui ont pas Venom, bah c'est cool. Ok, bon, un peu déçu sur la map, mais comme je vous ai dit, les gars, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Mais je pense qu'en gros, tant qu'on n'aura pas changé de chapitre, la map ne changera pas. Comment? Il y aura juste des petites zones qui vont changer, mais je pense pas que la map complète changera. Là, on a Corny Crops, alors que ça s'appelait Corny Complex. Là, on a Slurpee, bah, que ça a changé. Mais sinon ouais je pense que en gros c'est à chaque chapitre que ça changera, que la map changera. Mais je pense pas que ça changera au niveau de la saison. Ok, bah en vrai un bon passe de combat. On va voir vite fait les actus. Ok. Un bon passe de combat. On va regarder rapidement la boutique s'il y a quelque chose qui a changé. Ah, l'intrus a changé. On a un nouvel aperçu de style. Ok. Donc je pense que c'est après l'événement qu'il a dû changer. Ok, bah en vrai un bon passe de combat je trouve. Des bons skins, des bonnes pioches et tout. Donc moi les frérots, bah comme je vous ai dit, je vous mets un 8 sur 10. Avant d'acheter le passe les gars, n'oubliez pas de me soutenir dans la boutique avec le code créateur Diablotin-du-bas-fr. Donc n'hésitez pas aussi les frérots à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette saison, du passe de combat. Je lirai tous vos commentaires et je répondrai à vos commentaires. Moi, je vous dis à ce soir, donc 18 h les gars, je serai en live pour ceux qui veulent venir jouer. Moi, je vous dis à la prochaine les gars, prenez soin de vous, allez, ciao.